Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Edit Challenge. Et ben, je vous invite déjà à liker la vidéo si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la cloche pour les vidéos qui sortiront. Comme ça, vous serez les premiers à cliquer dessus et pourrez dire « First, j'y étais en premier ». On retrouve nos petits bourgeois... nos petits nobles. J'allais dire nos petits richoux. Ouais, c'est un peu ça. Oulala, Philibert, il pue du derrière. Oui, on a Guenièvre qui est debout. Bah, dehors ma choupette, dis donc. Ah, tu as faim. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire une compile de toutes les merdes que t'as trouvées à l'étage. Hein. Ça, c'est Anna qui s'en chargera. Bon, notre jolie Mildred a été revue et corrigée. Elle est très, très mignonne. Et bien, ça, vous la verrez tout à l'heure quand elle sera debout. On va lever cette chère Anna et elle va aller faire le petit déj à 5h du matin. Bah oui, bah le temps qu'elle descende les deux étages. Hein. Et notre chienne a visiblement un problème. Elle est glaciale et elle pue. Sauf qu'on n'a pas prévu d'aller chez le véto. C'est pas très RP, je dirais. Donc, je verrai bien. Et voilà, ça tombe bien. Si Gismond se lève. Anna a fait les pancakes. Oh, bah et j'ai pas vu qu'Altea était déjà debout. Et bien sûr, elle a pas été tapée dans les pancakes. 6h39 du matin, bon, on est lundi quand même, mais bon. Willem, eh ben, lui aussi va se lever. Non, il y a des pancakes. On va, à la fin, arrêtez de manger tout et n'importe quoi. Elle vient de faire à bouffer, je me suis cassé les noisettes à le faire manger maintenant, ce qui... Ok, j'abandonne. Regardez comme elle est belle, notre Millie. Mildred. Aïe, aïe, aïe. Elle a un truc avec ses yeux. Elle a les yeux de... la forme des yeux de son père. Et du coup, ça fait tout son charme. Elle est vraiment très très mignonne. J'ai gardé la même coupe de cheveux parce que ça lui allait super bien, voilà. Millie, elle est pas finalement pas quand même pas comme sa mère. Je trouve qu'elle est beaucoup plus mignonne que sa mère. Il y a un truc avec ses yeux, je sais pas, elle est trop belle. Par contre, Philibert, tu peux aller à l'école? Ton frère y est déjà en fait. Les filles, elles peuvent pas y aller, donc elles vont se faire taper dessus par l'école. Hein. Ah bah là, elle se fait un bain. Ok, très bien. Et Anna, qu'est-ce qu'elle fait? Bah ça va, elle s'occupe. Bon, je sais que vous aimez ça, hein, le violon. Mais en vrai, écoutez bien. Bon, c'est pas encore très très juste, mais ça va, elle s'en sort. Hein. Moi, je trouve que ça va encore. C'est moins pire qu'au début, c'est moins pire que quand ils sont enfants. Les factures sont tombées et ouais, je veux dire, je surveille parce qu'ils vont faire des conneries. 1694, ça va, on est tranquille, hein. J'ai connu pire. Allez, on va payer les factures. Oh, mais je l'avais pas annulé, lui. Mais Millie, non, mais va pas faire le ménage, wesh. Ah, oh, pardon, c'est vrai que j'ai toujours wesh, mais non, tu fais pas le ménage. Rihanna, t'as pas autre chose à faire que de regarder la pauvre Guenièvre faire son violon là. T'es sûr que t'as rien à faire? T'es sûr de sûr? Moi, je pense que t'as forcément quelque chose à faire, là. Tu vas ranger la bouffe et tu vas nettoyer. Moi, j'en sais rien. Regardez cette pauvre chienne qui est glaciale. Et est-ce qu'elle peut... Qu'est-ce qui ne va pas? Bah oui, mais on va pas chez le véto, hein. Je suis désolée, ma cocotte, mais il va falloir que tu fasses 100. J'ai pas fait de véto médiéval, moi. Oh là là. C'est dommage. Du coup, il y a tout le monde qui se succède pour aller regarder ce que fait Guenièvre au violon. Et en vrai, c'est pas trop, trop horrible, hein. Mais je comprends si vous êtes très très sensible, je comprends. Altea, mais c'est pas vrai! Mais arrête! Mais t'es une malade! Tu vas te laver les mains et te laver les dents, mais là c'est... Arrête, tu n'y touches plus. Par contre, toi, tu vas donner un bain à Brandy. Je pense que ça lui fera du bien, ça va peut-être la réchauffer. Ah ça c'est bien, t'as tout salopé le lavabo, c'est parfait, comme ça Anna, elle va pouvoir le faire après. Alors que notre ami Willem s'entraîne à de la peinture. Oh, en toilette sale et cassée. Anna, tu vas avoir du taf, ma cocotte. Ah, discussion autour d'un point de croix. Mildred s'entraîne. Comme une jeune fille noble de son rang. Ouais, mais tu l'as pas fini. Oh là là. Mais au moins, vous pouvez voir la comparaison entre Altea et sa fille. En vrai, c'est pas les mêmes. Mildred est vachement plus mignonne. Voilà. Je suis contente, moi. Nos gosses, ils sont beaux. Ah, puis maintenant, elle a des plaques. Super. Brandy, t'es en train de s'enfuir? Mais non. Mais Brandy, mais on s'occupe de toi, on vient de te laver. Enfin, normalement, on devait te laver, Anna.
Bah non, elle s'en fout, elle est revenue chez regarder sa la guenièvre. Mais ça devient n'importe quoi. Oh là là, ma pauvre chienne. Ma pauvre chienne. Oh non, quelle tristesse. Oh, reviens. Bon, elle va peut-être aller crever dans un coin. Hein. Bon, bah dans ce cas-là, tu vas aller jeter les. Tu vas tout jeter. Il y a pas mal de choses à faire, ma chère Anna. Hein, donc, t'as intérêt à te bouger le fion. Althea, mais bon sang! Mais t'es chiante à vouloir faire le ménage! T'es relou, là. Va t'occuper, va t'asseoir, va faire des grenouillères, j'en sais rien, mais laisse-nous tranquille. Oh! Il a refait la toile avec les serres. C'est trop bien. Merci, Wilhelm. Alors, 896 pour celle-ci et celle-là. 214. Ouais, c'est le jour et la nuit. Ah, hein. Sigismond nous ramène une petite copine qui s'appelle Caroline. Ah, oh, ils ont un projet scolaire en plus. Ah bah, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes à la maison? Oh, ils font la gueule, les gosses. Elle est où ta pote? Oh! Petit lapin! Trop chou. Oh non, il est âgé. Oh! Oh! Chef-d'œuvre! 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 Chef-d'œuvre, grande toile impressionniste de 287. J'ai connu mieux, Wilhelm, là. Il y a une baisse de régime, là. Sérieusement, les filles? Vous n'avez pas un meilleur endroit pour faire vos devoirs? Les garçons? Oh là là, les garçons avec leur projet scolaire. Elle est où votre pote en fait? Parce que. Je sais pas, vous l'avez étouffé. Vous avez perdu en chemin ou quoi? Non, mais là, je vois rien. Hein. Censé avoir une Caroline dans le coin, mais là, I don't see it. Et encore une œuvre d'art qui vaut 1972, oui, c'est de la classique. Hein. Donc ça va mieux. Oui, il se sent mieux en peinture classique qu'en impressionnisme. Hein. Et c'est bien pour nos finances. Bah, même si c'est bon, là, on est tranquille. Mildred, si tu as terminé de faire tes devoirs, tu vas aider ton petit frère pour son projet scolaire. Et ce sera la même pour Guenière et Philibert quand ils sont. Voilà. Tout le monde va se mettre à l'œuvre pour aider les garçons. Bah oui, c'est l'héritage au final de la famille, hein. Ou pas, ou peut-être pas. Et l'autre toile, petite classique de Wilhelm 554. Tous ensemble dans le jardin pour aider les garçons. Sigismond, ils puent. Ça va, ils sont pas très très en forme les garçons. Hein, mais puis ils sont à moitié tristes parce que bah, la chienne elle s'est barrée. Donc voilà. Oh, très joli projet. Super, tu peux le mettre dans l'inventaire, Sigismond. Puis comme elle a pas l'air de vouloir les aider beaucoup, Althea, ben c'est papa qui va s'y coller. Et puis Mildred aussi, allez. Tout le monde s'y met pour Philibert, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, lui aussi, il a le droit d'être aidé. Allez, Althea se joint. Ah bah d'accord, elle a eu le temps juste de mettre les genoux par terre, que ça y est, le projet est terminé. Ah, c'est cool, c'est super. Tu vas pouvoir le mettre dans l'inventaire, en vrai. Oh, le pauvre, il a besoin de divertissement et tout, Philibert. Ça. On va s'occuper de ça. Trop bien, il y avait presque toute la famille. Ah là là, presque. Bah bravo, Althea, quelle classe. C'est dégueulasse. Bon, c'est les haricots saucisses qui font ça aussi. Hein. Il y avait presque toute la famille qui était en train de manger à table. C'était trop cool. Tu peux t'asseoir. Je veux pas que tu fasses la vaisselle, Janine. Tu t'assois et tu discutes. Oh là là. Ce sera la saison des proutes ce soir. Ça va sentir bon chez les Nevers, moi je vous le dis. Ouais, on va travailler l'empathie d'Emilie parce qu'elle essaye, vu qu'elle est joyeuse, elle est très joueuse, pardon, de réconforter à propos de l'animal perdu parce que ben, elle s'est fait la malle, la petite Brandy. Bon, moi, pendant ce temps-là, elle fait pas de conneries, c'est ça aussi qui est bien. Mais il y a que Philibert qui fait bande à part parce qu'il est déjà parti se coucher, le pauvre petit était fatigué. J'ai envoyé aussi Anna au lit parce que ben, elle, forcément, elle va vivre en décalé et elle va devoir se lever super tôt pour faire à bouffer. Et puis ben, c'est bien quoi, je vais les envoyer un à un faire des petites choses, voilà, s'occuper d'eux, tout simplement. Et elles vont se réconforter l'une l'autre pour l'animal perdu. Je suis sûre que ça doit leur faire bosser l'empathie, ce truc, ce genre de truc. Mildred, par contre, l'empathie, il y a du taf, hein. Waouh. Et Althea qui nous casse la baignoire. Merci. Oh non. Les garçons ont eu le monstre. Ils vont aller réveiller Anna. La pauvre. La pauvre. Non mais franchement. La pauvre. Après moi ça m'arrange. Ça disturbe pas mes autres petits Sims. Allez Anna. Au travail. Ouais, Nibs. C'est bon? Ils ont vu tous les deux.
Oui, Je pense que c'est bon. Ah, ils vont pouvoir dormir du coup. Oh là là, ils sont soulagés. Super. Mais non! Mais non! Mais c'est revenu! Mais attends, meuf, parce que là, t'as fait sous un seul délit. Oh là là, je vous jure. Je vous jure, je vais tout casser. Oh, il y a Willem qui pleure dans ses draps à cause de Brandy. Est-ce que Brandy reviendra? Est-ce qu'elle nous reviendra seulement en bonne santé? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment mourue dans un coin? Quelle tristesse. Alors que nos garçons partent déjà à l'école, sans avoir mangé, hein, parce que Anna elle a loupé le réveil ce matin, ben faites-vous des amis et ramenez-nous des bonnes filles à marier. Ouais, petit déjeuner morose pour les filles de la maison, avec l'animal perdu, Brandy qui a disparu. Appel entrant le directeur. Ah ouais, non. Bah oui, parce qu'elles sèchent les cours, les filles, là. C'est pas un jour férié aujourd'hui. Ok, j'ai encore le bug de la baignoire qui se remplace pas. Enfin, qui se répare pas, donc on va la remplacer. Et puis elle va la nettoyer pour la peine, tiens. Voilà. Allez, un petit footing sur Enford. Il n'y a rien de mieux pour calmer les humeurs. Oula! Alors, on a croisé quelqu'un, mais alors, voilà. Et puis elle est dégueu. Ça sent le bain en rentrant. Hein. Bon, bah, la même pour Mildred. Hein. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, mais toujours aussi jolie, par contre. Oh, Brandy est revenue, Brandy est revenue, Brandy est revenue. Elle a un cadeau et elle est dégueulasse. Dégueulasse. Tiens, tu vas venir récupérer le cadeau, ouvrir et tu vas l'accueillir à la maison. Bah, elle est toujours malade, par contre. Et ça fait chier. Allez, Willem, va retrouver ta chienne. Ton amour de chienne que tu aimes tant. Un diamant? Elle a ramené un diamant? Oh, regardez! Oh, câlin! Trop mignonne! Oh, encourager une mauvaise personne? Non, bah non. Tu vas lui faire un câlin, tu vas faire connaissance. Puis, bah ouais, bah, pour la maladie, on n'a pas trop de choix, quoi, mon petit Lucien. Cette pauvre chienne qui revient à 2 à l'heure à la maison, elle embarque même un renard avec elle, tiens. Bon alors, j'ai Mildred et les garçons qui sont en manque de jeu, mais genre impressionnant. Divertissement très 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 bas. Donc ils vont faire une petite séance de lama. Et le lama, ça va super vite en vrai. Alors oui, l'ami nous a fait 2 toiles, 157 et 220. C'est pas le meilleur, mais tu vas reprendre un petit peu, vas-y, entraîne-toi en impressionnisme. What? Chef d'œuvre pour Willem? Oh, j'aime bien en plus. Oh, 1122 en impressionniste, ça c'est du vrai chef d'œuvre qu'on aime. Tu vas me faire une petite classique à 75 du coup. Cette pauvre chienne est dans un état! Ça me fait mal au cœur. J'arrive pas à la laver. Du moins, Anna n'arrive pas à la laver, donc c'est un peu dommage. Mais au pire, on laissera le temps passer, hein. Allez, les petits jeunes, là. Il est temps, vous allez faire vos devoirs aussi. Tu vas aller manger. Et faire tes devoirs. Réussir les... réussir tes devoirs à main haute. Et toi aussi. Ils sont intelligents, ces garçons. Regardez-moi ça. Une belle tablée d'enfants qui font leurs devoirs en même temps. C'est beau. Profitez-en. C'est rare aussi. Un petit peu d'amour. Pour notre couple. Ah là là. Ça va tellement vite en fait. Hein. Entre le moment où ils se sont mariés, j'ai l'impression que c'était quoi, 3 semaines. Et maintenant ils ont 4 gosses. Les filles, eh bien, ça va bientôt être la battle. La rousse contre la blonde. Guenièvre contre Mildred. Et puis après les garçons, quoi. Et la finale. La dernière finale. Pour savoir qui sera seigneur. Ah ouais, c'est ouf. Oh marde! Philibert est en sale état, mon petit. Tiens, va prendre un bain, mon chaton. Ça ira mieux, tu iras manger, tu feras tout ce qu'il faut, ça va revenir. Tu seras en meilleur état. Mais non, Willem! Ah bah oui, Willem! Ah bah oui, Willem, t'étais un petit peu sale aussi. Oh là là, bon. Ben, viens là, Jean-Claude. Qu'est-ce que ça va faire, celle-ci? Mais tu vas faire quoi, toi? Tu vas pas te laver les mains? Laisse... Oh, mais tu serais pas un peu pédophile, Anna? Non mais dis donc, laisse ce beauf garçon, en plus il s'est endormi dans sa baignoire. Mais... Elle dort, là? Mais elle dort la tête relevée. Un peu bizarre. En même temps, comme elle est à moitié glacée, tu m'étonnes. Elle est peut-être prise dans la glace. Elle est peut-être cryogénisée à cette heure-ci, la petite Brandy, là.
La pauvre tiote. Je peux pas l'emmener chez le veto, quelle tristesse. Oh, mais là, il y a... Bah non, Sigismond. Bah si, j'allais dire, il y a tout le monde à table, et puis lui, il a voulu se lever. Bah voilà, ils sont tous à table, là. Oh, ça fait plaisir. Ils sont beaux. J'espère que vous commencez à vous faire une idée sur laquelle des filles vous préférez, parce que je pense que la semaine prochaine, ce sera les votes. Guenièvre, pas de vaisselle. Pas de vaisselle. Tu vas plutôt te coucher, parce qu'il est l'heure d'aller se coucher pour tout le monde. Et mon petit Philibert, il doit épicer aussi. Tu vas épicer, mon chaton. Tu vas aussi manger et t'iras dormir, et ce sera très bien. C'est vachement plus sympa, hein. Niveau 5 de violon. Et voilà, niveau 5 de violon, et vous n'avez plus mal aux oreilles. Même Willem, il s'est dit, je vais aller voir ma progéniture. C'est bien, on pourra inviter les nobles et les seigneurs du coin, peut-être, et puis elle nous fera un petit numéro. Faut-il encore en connaître? Et sur le son du violon, nous avons les petits amoureux. Oh là! Oh, c'est l'amour, là. Allez, bah, allez faire un petit peu de crac-crac, là. Allez fêter ça dans le lit, que vous vous aimez toujours comme au premier jour. On dirait qu'ils ont pas vieilli, ça va vraiment faire bizarre, je pense, pour Altea et Willem. Pour moi, ils sont toujours jeunes adultes, en fait. Mais regardez, ils ont déjà des enfants et tout. Enfin, ça passe trop vite. Allez, c'est sur ce petit crac-crac des amoureux que moi, je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas le com, le like, le partage sur les réseaux sociaux et sur les groupes Facebook si vous en faites partie. La semaine prochaine, ce sera les votes pour les filles. J'espère que vous savez pour laquelle vous allez voter. Vous pouvez toujours me mettre un commentaire, mais il faudra surtout voter dans le sondage de la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse, à très très bientôt. Ciao, ciao.